Salut à tous! Anse, aujourd'hui, pour la petite news du jour, c'est un jeu. Vous allez voir le jeu. La musique va vous parler. Un jeu McDonald's qui sort, ouais. Un jeu McDonald's pour Game Boy. Voilà, récemment, je vous avais parlé de ce petit Tetris qui sortait uniquement en Chine, qui apparemment a vite été épuisé. Un McNuggets Tetris. Et aux États-Unis, en fait, c'est l'anniversaire. Donne leur personnage. Voilà, ils ont sorti ce menu pour l'anniversaire de Grimace. C'est le nom du perso. Moi, quand j'étais gamin, j'aimais bien les persos Ronald. Puis voilà, il y avait des petits trucs dans les Happy Meals. Alors, je crois que c'est un milkshake. Ça a l'air d'être de la. Du Burberry. De la myrtille, peut-être. Voilà, couleur assez violette. Donc, j'ai traduit en français, c'est le repas d'anniversaire de Grimace, le Grimace Birthday. 1490 calories. Et pour fêter ça avec le fameux GB Studio, voilà, il y a plusieurs personnes qui l'utilisent, il y a Eric, un de mes abonnés, qui a aussi sa chaîne YouTube qui fait des jeux dessus, qui fait des jeux avec ce programme. Ils ont fait un jeu, alors le jeu est disponible sur Internet, avec cette page Internet, je vous mettrai le lien dans la description, qui rappelle un petit peu les débuts, moi je me souviens d'AOL, un peu tout ça, là. Bon, regardez, ici vous pourrez jouer au jeu. Le Milkshake, parce que c'est quand même son honneur, check, check, check. Avez-vous vu cet homme? Oui ou non, votez. Voilà, le vieux, les vieilles icônes pour l'email. Et donc, vous pouvez célébrer votre birthday à McDonald's, votre anniversaire à McDonald's. Le jeu sort sur Internet, mais il est aussi disponible, alors je crois sur l'application, mais surtout en ROM, et on peut l'utiliser sur sa Game Boy. Voilà, si vous avez un Everdrive, vous pourrez jouer sur votre Game Boy. Donc, McDo sort un jeu Game Boy en 2023. Donc, écoutez, on va découvrir le jeu en même temps. Voilà. Ta-ta-tam-tam-tam. Est-ce que vous croyez que je dois mettre un avertissement, manger 5 fruits frais par jour Voilà la vidéo. On va faire start game. Donc je regarde le TD qui est en dessus, bien sûr. Normal. Auto-grind, ok. C'est l'anniversaire de Grimace. Il fait une fête au McDonald's. Mais il a besoin de ses amis, Birdie, Hamburglar et les McNuggets. Ses potes les McNuggets. Voilà, avant que ce soit l'heure de souffler sur les bougies. Le seul problème, c'est qu'il n'y a nulle part où les trouver. Ouh! Où est passé tout le monde? C'est mon anniversaire! Voilà, il va falloir trouver ses copains. Je crois que j'avais une brosse à dents avec ce perso à l'époque quand j'étais gamin. Alors, il faut être sûr de récupérer tous les milkshakes. Donc, la ROM est disponible en noir et blanc ou en couleur. Les deux versions. Là, on est sur la Game Boy Color, c'est mieux. Voilà, il va falloir trouver notre pote. C'est qui cette petite? Ok, je vais essayer mon My Best. Alors, c'est parti. Il est un peu fat, on dirait. Toad Jam and Earl. Donc, je crois que j'ai mis le truc automatique. Voilà. Hop, vous voyez, il faut récupérer le milkshake. Il faut éviter les boîtes McDo, hein, par contre. Voilà, les boîtes McDo rouges, ça vous fait tomber. Et là, je crois que oui, j'ai le truc automatique, vous voyez, où il fait la glissade. Ah, il y a un point d'exclamation qui est apparu. Voilà, j'ai fini le niveau. Écoutez, ça a l'air simple pour l'instant. On peut descendre à la Shinobi. Mais voilà ce qui arrive quand on roule sur un... C'est pour ça qu'il faut pas laisser les boîtes de McDo par terre. Alors, il y a le point d'exclamation. C'est peut-être juste pour me dire qu'il y a une boîte. Alors, mais attendez, je suis tombé sur la boîte. Hey, jeune, ramassez vos déchets quand vous allez au McDo, quoi. Les graphismes sont assez jolis, quand même, je trouve. Et c'est assez détaillé. Hein. Et tout ça, c'est fait avec le Game Boy Studio, le logiciel dont nous parle souvent Eric, d'ailleurs. Voilà, je vous mettrai sa chaîne en lien. Attendez, il faut que je récupère celui-là de Milkshake. Allez, tu vas me le récupérer, ce Milkshake. Voilà, El Goal. Voilà, une minute, c'est le valon. C'est pas le jeu de l'année, mais c'est original de voir que McDo nous ressort voilà un jeu. Qui, je vous rappelle, n'est pas disponible en version Game Boy pour l'instant. Peut-être qu'ils le feront. Oh, regardez, on ressort à la Sonic. Qui est pour l'instant jouable, il me semble, sur Android et puis sur le site internet. Voilà. Mais vous pouvez télécharger la ROM pour jouer sur votre émulateur,
sur un vrai Game Boy Color ou Game Boy noir et blanc. On peut aller par là. Ah oui, regardez. Je pourrais tout le niveau, ça devient plus intéressant là. Ouais, vous pouvez jouer sur votre vraie console en récupérant la ROM qui est gratuite. Ouais, il va falloir récupérer tous les milkshakes. Hop là. Bon, ça vaut pas Sonic, mais écoutez. Passer par là. Voilà, par ici. Par là, non, de l'autre côté. Voilà, par ici. Ah, il va y avoir pas mal de choses à explorer. Hein. Donc voilà, bon, écoutez, on va pas faire tout le jeu. J'ai vu quelques vidéos sur internet, il a pas l'air hyper long quand même. Ah, c'est assez sympathique, je trouve. Je sais pas vous ce que vous en pensez. Hein. Là, on va retourner voir la page du site. Mais regardez, je trouve ça assez original. Alors, bon, c'est qu'aux États-Unis. Hein. Je sais pas s'ils font l'opération en France. Voilà le petit site anniversaire de Grimace. Grimace Birthday. Alors, est-ce qu'on peut cliquer ici? Je vais cliquer vote. Merci. Voilà, le reste, on peut pas cliquer. Hein. Mais si vous voulez jouer sur tête, vous pouvez y aller. Après, le problème, c'est que les contrôles, c'est uniquement avec le clavier. Voilà, et vous pouvez jouer au jeu. Donc voilà pour la petite news, mais après le jeu Tetris sorti qu'en Chine, Chine continentale, pas du côté de Hong Kong. Et voilà, vous avez pour le repas d'anniversaire de Grimace, le jeu vidéo fait avec le GB Studio. Vous pouvez jouer en ligne et compatible avec votre vrai Game Boy, votre vrai Game Boy Color, à condition de récupérer la ROM sur le site Internet Archive, comme bien souvent. Donc allez, je vous laisse ça pour une petite news, n'hésitez pas à laisser vos questions, vos commentaires, un petit pouce si vous a plu, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde !